Koné Tiagogo est officiellement le nouveau chef central des Sénoufos de la région du Guémon, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il a été installé dans ses fonctions le samedi 31 juillet 2021 à la place publique de Diokoué par Ali Kader Koulibaly, député maire de Mbengue et parrain de la cérémonie en présence des autorités de la région. Ali Kader Koulibaly représentait par la même occasion le ministre d'État, ministre de la Défense Tenebireima Ouattara, patron de la cérémonie. Ali Kader Koulibaly, par ailleurs député maire de Mbengue, a appelé le peuple Sénoufo à emprunter le chemin de la réconciliation. Il a notamment demandé de marcher dans les pas du président de la République, Alassane Ouattara, qui, dira-t-il, a donné l'exemple en recevant l'ex-président Laurent Gbagbo. Koné Tiagogo succède au chef Adama Dembélé, décédé en 2016, après une vingtaine d'années de règne. La cérémonie d'installation du nouveau chef, prévue depuis des longues dates, avait été reportée à plusieurs reprises en raison de la maladie, puis du décès du premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui devait en être le parrain. Je voudrais parler ici de l'ancien premier ministre qui était notre mentor et qui est notre, dont nous gardons toujours l'esprit, l'esprit AGC. Parce que vous avez commencé avec AGC, quand il est venu dans la région, vous avez dit que vous voulez qu'il vienne présider, il a dit il n'y a pas de problème. Mais l'homme propose et Dieu dispose. Mais sachez que ce que tous les engagements pris par AGC seront tenus par ces filles que nous sommes. Sachez que pour cette cérémonie, là où il est couché, AGC vous voit et vous avez toute sa bénédiction. La tradition a été entièrement appliquée lors de la cérémonie, y compris le jeu des alliances interethniques. La danse du poro, identité du peuple Sénoufo, a été largement exécutée.